mes enfants. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis la maîtresse Elisa Kimbembe, enseignante au primaire en classe de CM2. Bien, suivez les enfants. Nous avons notre leçon de français aujourd'hui, en grammaire sur les accords. À la fin de la leçon, tu dois être capable d'accorder l'attribut du complément d'objet direct avec son complément d'objet direct. Bien, prenez les ardoises. Montrez l'ardoise. Baissez. Montrez. Baissez. Montrez. Baissez. Les mains sont sur la tête. Mettez les mains sur la tête. Écrivez la phrase. Paul est gentil. Point virgule. Je le trouve sympathique. Paul est gentil. Point virgule. Je le trouve sympathique. Bien, montrez. Baissez, montrez. C'est bien. C'est bien. C'est bien, Sarah. C'est bien, Grâce. Baissez les ardoises. La maîtresse va écrire la phrase au tableau. Sarah, lis la phrase que tu viens d'écrire. Paul est gentil. Paul est gentil, vas-y. Point virgule. Je le trouve. Je le trouve comment? Sympathique. Très bien. Je le trouve sympathique. Ouais. Une phrase commence toujours par une lettre majuscule, se termine par un point. Paul est gentil, je le trouve sympathique. Bien, suivez. Prenons notre première partie. Paul est gentil. Dans cette partie, qui peut lire le verbe? Oui, Grâce. Est. Très bien. Est. C'est quel verbe? C'est un verbe être. Très bien, c'est le verbe être. Regardez bien dans la phrase, dans la première partie là. Ce verbe être indique quoi? Oui, Sarah, ce verbe être indique l'état. Très bien. Et indique l'état. Donc, comment peut-on appeler ce verbe? Ce verbe qui indique l'état plutôt, veuillez m'excuser. Oui, c'est un verbe d'état. Très bien. Passons à notre deuxième partie. Je le trouve sympathique. Suivez les enfants. Qui peut lire le mot que j'ai souligné? Oui, trouve. Très bien. Quelle est sa nature? Oui, Grâce. C'est le verbe trouver. Très bien, c'est le verbe trouver. Regardez, avant ce verbe, nous avons un mot qui peut le lire. Oui, Grâce, le. Regardez, la maîtresse souligne le mot le. Quelle est sa nature? Oui, Sarah, là-bas, un article. Non. Ici, le n'est pas un article. Devant un verbe, le est un pronom. Ici, il est pronom personnel. Répète, Grâce. Un pronom personnel. Très bien. Regardez maintenant son verbe. Le verbe qui se trouve dans la phrase. Trouve. Ici, trouve. Exprime quoi? Oui, Grâce. Trouve exprime l'action. Comment peut-on appeler ce verbe donc? Oui, c'est un verbe d'action. Très bien. Croisez les bras, les enfants. Croisez les bras. Suivez au tableau, nous avons un texte. Faites la lecture silencieuse de ce texte. On ne parle pas. Faites la lecture au fond du cœur.
Bien, les ministres l'ont déclaré comment? Les ministres l'ont déclaré ouverte. Très bien. Suivez, la maîtresse va lire à haute voix. Croisez les bras, ne parlez pas, soyez attentifs. Suivez la lecture de la maîtresse. Texte. Les ministres ont déclaré cette assemblée ouverte. Les ministres l'ont déclarée ouverte. Les médecins estiment le cas préoccupant. Le médecin l'estime préoccupant. C'est bien, Naomi, lis comme la maîtresse. Grâce, fais autant. C'est bien, suivez maintenant, nous allons lire phrase par phrase. On commence avec la première phrase. Suivez, la maîtresse va encore relire la première phrase. Les ministres ont déclaré cette assemblée ouverte. Sarah lit la première phrase. Les ministres ont déclaré cette assemblée ouverte. Très bien les enfants. Suivez maintenant, suivez bien, ne soyez pas distraits. Suivez bien les enfants. Les ministres ont déclaré quoi? Oui, cette assemblée. Très bien. Je souligne le mot « assemblée ». Après avoir souligné ce mot, je dois l'écrire hors de la phrase. Assemblée. Orchidée lit le mot « assemblée ». Sarah, « assemblée ». Grâce, assemblée. Bien, quelle est la nature de ce mot? Quelle est la nature de ce mot? Oui, grâce, un nom commun. Très bien. Un nom commun. Le mot assemblée a comme nature nom commun. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, nous venons de poser une question, veuillez m'excuser. Les ministres ont déclaré quoi? Quelle était la réponse? Oui. Cette assemblée. Quelle sera donc la fonction du mot assemblée? Quelle sera sa fonction? Oui? Complément d'objet direct. Très bien. Complément d'objet. Complément d'objet. Complément d'objet direct. Merci. Assemblée, c'est un nom commun. Et ce mot est complément d'objet direct. Très bien. Cette assemblée, comment? Oui, grâce, ouverte. Je souligne le mot ouvert. Après avoir souligné toujours, je dois l'écrire hors de la phrase. Suivez bien les enfants. Ouverte. Mardochélie, ouverte. Maria, ouverte. Prince, ouverte. Quelle est la nature de ce mot? Oui, Simonie. C'est un participe passé pris comme adjectif qualificatif. Très bien, c'est un adjectif qualificatif.
un adjectif qualificatif. Adjectif. Adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Bien. Tout à l'heure, nous avons dit pour le mot assemblée, sa nature est en commun et sa fonction complément d'objet direct. Et après le mot assemblée, nous avons ouvert. Quelle est la fonction du mot ouvert? C'était un adjectif qualificatif. Quelle est sa fonction? Oui, Sarah. Oui, vas-y. C'était un attribut. Très bien. Attribut. Attribut. Ouverte. Nature, adjectif qualificatif. Fonction, attribut. Attribut de quoi? Oui, attribut du complément d'objet direct. Attribut du complément. Attribut du complément d'objet direct. Attribut du complément d'objet direct. Bien, ouvert, adjectif qualificatif, attribut du complément d'objet direct. Très bien. Suivez maintenant, suivez, regardez bien cette assemblée ouverte. Quel est le genre du mot ouverte, de l'adjectif ouverte? Oui, Sarah. Vas-y, parle. Oui, ouverte et du genre féminin. Très bien. Ouverte, genre féminin. Et regardez son complément d'objet direct et du quel genre? Oui, son complément d'objet direct est toujours du genre féminin aussi. Assemblée féminin. Féminin. Et le nombre de l'adjectif ouvert. Oui, singulier. Féminin, singulier. Le nombre du complément d'objet assemblé. Oui. Féminin, singulier aussi. Singulier. Bien, regardez bien les enfants. Ouvert et du genre féminin, nombre singulier. Et le complément d'objet direct aussi est du genre féminin et du nombre singulier. Bien, que pouvons-nous dire ici déjà? Qui peut parler? Oui, de la tribu, nous pouvons dire quoi? Oui, vas-y, Sarah. Oui, la tribu. De quoi? Du complément d'objet direct. S'accorde en genre et en nombre avec quoi? Avec son complément d'objet direct. Très bien, les enfants. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Suivez bien les enfants, nous allons relire la deuxième phrase. Les ministres
l'ont déclarée ouverte. Ézéchiel lit la phrase. Les ministres l'ont déclarée ouverte. Très bien. Regardez bien cette phrase. Qui peut lire le verbe qui se trouve dans cette phrase? Oui, Sarah. Qui peut lire ce verbe? Oui. On. Quel est son infinitif? Oui, Ézéchiel. Vas-y. C'est le verbe avoir. Très bien. Regardez bien. Devant ce verbe, nous avons un mot. Regardez, devant ce verbe, nous avons un mot. Quelle est la nature de ce mot? Oui? Quelle est sa nature? C'est un pronom. Quel pronom? Un pronom personnel. Très bien. Un pronom personnel. Ézéchiel, lis. L apostrophe. L apostrophe. Vas-y. Un pronom personnel. Un pronom personnel. Un pronom personnel. Quelle est sa fonction? Nature, pronom personnel. Pronom personnel. Pronom personnel. Quelle est sa fonction? Quelle est sa fonction? Oui? Ici, ce mot remplace quel mot dans la première phrase? Oui? Vas-y, remplace le mot assemblé. Quelle était la fonction du mot assemblé? Oui? C'était le complément d'objet direct. Très bien. Maintenant ici, comme ce mot remplace le mot assemblé, le mot qu'il a remplacé a pour fonction complément d'objet direct. Quelle sera donc la fonction de ce mot? Oui, hein? Complément d'objet direct. Très bien. Complément d'objet direct. Complément. Complément. D'objet, complément d'objet direct. Suivez bien les enfants. Ce mot qui est l'apostrophe, c'est un pronom personnel, a pour fonction complément d'objet direct. C'est bien. Suivez bien, regardez bien la phrase. À la fin de cette phrase, qui peut lire ce mot, le mot qui se trouve à la fin de cette phrase? Oui, oui, Ézéchiel. Ouverte, ouverte. Il souligne le mot ouverte. Il doit être écrit hors de la phrase. Ouverte. Ouverte. Caroline ici, ouverte. Prince, ouverte. Sarah, ouverte. Quelle est la nature de ce mot? Quelle est la nature de ce mot? Oui, Ézéchiel. C'est un passé-passé pris comme adjectif qualificatif. Un adjectif. Un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. Ce mot est pronom personnel. Sa fonction, adjectif qualificatif. Pronom personnel, c'est sa nature et sa fonction, complément d'objet direct. Bien, suivez les enfants. Tout à l'heure, nous venons de dire. Le mot est l'apostrophe et pronom personnel, sa nature, pronom personnel, sa fonction, complément d'objet direct. Et le mot ouverte, adjectif qualificatif, et nous allons chercher sa fonction. Suivez les enfants.
ce que les ministres ont déclaré ouverte. Qu'est-ce que les ministres ont déclaré ouverte? Oui, Ézéchiel. Elle apostrophe très bien. Les ministres ont déclaré ouverte. Elle apostrophe. Donc, ouverte est attribut de quel mot? Oui. Ouverte est attribut de elle apostrophe. Vas-y, continue. L'attribut de elle apostrophe, complément, complément, complément d'objet, complément d'objet direct. Elle apostrophe et complément d'objet direct, ouverte et attribut de elle apostrophe et complément d'objet direct. C'est bien les enfants. Suivez, regardez bien. Regardez quel est le genre de ouverte. Oui, ouverte est du genre féminin et le nombre. Nombre singulier. Très bien. Ouverte est du genre féminin, du nombre singulier. Et regardez son complément d'objet direct. Qui peut lire l'ensemble de son complément d'objet direct? Qui peut le lire? Oui. L apostrophe. Très bien. Quelle sera donc la nature de L apostrophe? Quelle, plutôt, veuillez m'excuser, quel sera le genre de L apostrophe? Nous avons déjà parlé de la nature. Oui. Genre féminin et le nombre. Nombre singulier. Très bien. Son attribut est du genre féminin, nombre singulier. Donc le complément d'objet direct aussi doit être genre féminin, nombre singulier. Bien. Sarah, qu'est-ce que tu peux dire de là? L'attribut s'accorde avec quoi? Oui, vas-y. L'attribut s'accorde. L'attribut du complément d'objet direct s'accorde avec son complément d'objet direct. Très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Passons à la troisième phrase. La maîtresse va d'abord relire la phrase. Le médecin estime le cas préoccupant. Richel lit la phrase. Le médecin estime le cas préoccupant. Le médecin estime le cas préoccupant. Bien. Elsa, lis le verbe se trouve dans cette phrase. Estime. Très bien. C'est quel verbe? C'est quel verbe? C'est le verbe estimer. Bien. Le médecin estime quoi? Le médecin estime quoi? Le cas. Suivez les enfants, je souligne. Cas. Après avoir souligné, il doit être écrit ici, à côté. Cas. Elsa lit ici. Cas. Richel lit. Nelili, ta. Quelle est la nature de ce mot? Quelle est la nature de ce mot? Oui, Richel. C'est un nom commun. Très bien, un nom commun. Ta. Nom. Commun. Un nom commun. Bien, suivez les enfants. Après ce nom commun, nous avons un mot qui vient. Qui peut lire ce mot? Qui peut lire ce mot? Oui, vas-y. Préoccupant. Préoccupant. Préoccupant.
Oui, Sarali, préoccupant. Grâce, préoccupant. Quelle est la nature de ce mot? Ézéchiel, adjectif. 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 Qualificatif. Qualificatif. Bien, suivez les enfants. Ka était un nom commun. Préoccupant était un adjectif qualificatif. Bien, quelle est la fonction de ce nom commun? Quelle est sa fonction? Oui, le médecin estime quoi? Oui, le cas. Quelle est donc sa fonction? Complément d'objet direct. Complément d'objet. Là, on peut abréger. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Bien. Complément d'objet direct est ici. Regardez, lisez bien. Complément d'objet direct peut être abrégé par COD. Bien. Cas non commun a pour fonction complément d'objet direct. Maintenant, les enfants, passons à notre deuxième mot qui est l'adjectif qualificatif. Quelle est sa fonction? Ce mot qui vient présent après. Ce mot qui vient après son complément d'objet direct. Oui, quelle est sa fonction? Attribut. Très bien. Attribut. Sarah répète là-bas. Attribut. Ézéchiel. Attribut. Attribut de quoi? Attribut du complément d'objet direct. Quel complément d'objet direct? Qui peut lire le complément d'objet direct? Oui? Ah, très bien. Donc, les enfants, soyez attentifs. Ta, nom commun, fonction, complément d'objet direct, préoccupant, adjectif qualificatif, fonction, attribut du complément d'objet direct. Très bien, les enfants. Donc, retenez ce que vous devez retenir là, les enfants. Quand l'attribut est au masculin, le complément d'objet direct aussi doit être au masculin. Quand l'attribut est au féminin, ce complément d'objet direct aussi doit être au féminin. Quand les enfants, le complément d'objet direct est au pluriel, l'attribut aussi doit être au pluriel. L'attribut est au pluriel, le complément d'objet aussi doit être au pluriel. L'attribut s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Suivez bien les enfants. Passons à notre dernière phrase. Notre dernière phrase, suivez, la maîtresse va lire la dernière phrase. Le médecin l'estime préoccupant. Le médecin l'estime préoccupant. Bien. Lire le verbe qui se trouve dans cette phrase, oui. Estime. Bien. C'est toujours le verbe. Estimer un verbe du premier groupe. Bien. Avant ce verbe, nous avons quel mot? Oui. Qui peut le lire? L apostrophe. Nous avons déjà ce mot ici. L apostrophe. Très bien, elle apostrophe. Ézéchiel lit ici, elle apostrophe. Grâce, elle apostrophe. Quelle est la nature de ce mot, nous avons dit? Oui, c'est un pronom personnel. Très bien, un pronom personnel. Mais suivez ici, suivez bien les enfants, notre dernière phrase. Suivez les enfants. Ici, notre pronom personnel avait remplacé quel mot dans la première phrase? Oui, Ézéchiel avait remplacé le mot assemblée. Et dans notre dernière phrase, elle apostrophe remplace quel mot? Oui, dans notre dernière phrase, elle apostrophe remplace le mot cas. Dans notre dernière phrase, elle apostrophe
remplace le mot ta. Suivez bien les enfants. Ne vous embrouillez pas. Parce que ici nous avons elle apostrophe. Les dernières phrases aussi nous avons elle apostrophe. La deuxième phrase, je répète, ce mot remplace le mot assemblée. Mais dans notre dernière phrase, ce mot remplace le mot ta. Et quelle sera sa fonction? Quelle sera sa fonction? Oui. Oui. Quelle sera sa fonction? Complément d'objet direct, toujours. Complément d'objet direct. C'est bien. Et quelle sera la fonction de son adjectif? Oui. Quelle sera sa fonction? Attribut de quoi? Attribut de quoi? Attribut du complément d'objet direct. Bien. Suivez bien les enfants. Le mot le est un pronom personnel a pour fonction complément d'objet. Mais si on remplace le mot ta par la situation, au lieu de mettre ta, on remplace le mot ka par la situation. Le mot ka par la. Le mot ka par la situation. Première fois, le mot ka était au masculin. Et nous avons enlevé le mot ta, remplacé par la situation. Comment allons-nous écrire préoccupant? Oui, Ézéchiel? Oui? Nous allons écrire très bien préoccupante. Très bien. Donc nous allons dire le médecin. Et c'est la situation préoccupante. Puisque le complément d'objet direct est où? Qui peut le lire? Oui. Situation, très bien. Et son attribut préoccupante. Donc, situation et complément d'objet direct. Préoccupante et attribut du complément d'objet direct. Nous venons de dire, quand l'attribut est au féminin, le complément d'objet direct aussi doit être au féminin. Très bien les enfants, le médecin estime la situation préoccupante. Donc, pour la dernière phrase aussi, c'est le même cas. Quand le complément d'objet est au pluriel, l'attribut aussi doit être au pluriel. Donc, retenez ça dans vos têtes. Quand l'attribut est au pluriel, le complément d'objet aussi doit être au pluriel. Donc, l'attribut s'accorde avec son complément d'objet direct. Très bien, les enfants. De là, que peut nous donner, qui peut nous donner plutôt le titre de la leçon? Tout à l'heure, nous venons de dire ouverte, adjectif qualificatif, cas, nom commun, ouverte, complément d'objet direct, ouverte plutôt, adjectif qualificatif, attribut du complément d'objet direct. On vient de dire que quand l'attribut et au pluriel, le complément doit être au pluriel. Donc de là, nous voulons parler de quoi? L'attribut est au masculin, le complément doit être au masculin. L'attribut est au féminin, le complément doit être au féminin. Nous allons donner quel titre à notre leçon? Oui, Ézéchiel. Accord, très bien. Accord. De quoi? De l'attribut encore de l'attribut du complément. Du complément, le mot vient jusqu'ici,
du complément mon d'objet. Du complément d'objet direct. L'accord. Accord plutôt de l'attribut du complément. Donc, accord de l'attribut du complément d'objet direct. Ézéchiel lit le titre. Accord de l'attribut du complément d'objet direct. Richel, accord de l'attribut du complément d'objet direct. Très bien. Je reprends ce que nous venons de dire. Quand l'attribut est au masculin, le complément d'objet direct aussi est au masculin. Bien. Quand l'attribut est au pluriel, le complément d'objet direct aussi est au pluriel. Qu'est-ce que nous allons dire donc? On a parlé de l'accord. Oui? L'attribut L'attribut du complément d'objet. Du complément d'objet direct. L'attribut du complément d'objet direct, oui, s'accorde en genre et en nombre, vas-y, et en nombre. Et en nombre avec son complément d'objet direct. L'attribut du complément d'objet direct s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Avec son complément avec son complément d'objet direct. Bien. Complément d'objet direct. Très bien. Exemple, donnez-moi les exemples. Oui, vas-y. Je mange un pain garni. Je mange un pain garni. Bien, dans cette phrase, qui peut lire le complément d'objet direct, pain. Et l'attribut de ce complément, garni. Bien. Donc, je mets j'écris le mot garni. Cas de couleur. Un pain garni. Bien. Deuxième exemple. Oui. Les enfants mangent les pains garnis. La garnie doit s'accorder avec pain, puisque nous parlons de l'accord de l'attribut du complément d'objet direct avec son complément d'objet direct. C'est bien. Suivez les enfants. La maîtresse va lire la leçon. Grammaire. Accord de l'attribut du complément d'objet direct. Je retiens. L'attribut du complément d'objet direct s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Je relis pour une deuxième fois.
Grammaire, accord de la tribu du complément d'objet direct. Je retiens, la tribu du complément d'objet direct s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Exemple, je mange un pain garni. Un pain garni. Pain, COD, garni, attribut. Bien. Deuxième exemple, les enfants mangent les pains garnis. Pain, COD, garni, attribut du complément d'objet direct. C'est bien les enfants. Nous n'avons pas encore fini. Passons ici à l'exercice pour voir si ce que nous venons de faire, vous avez compris. C'est l'exercice d'entraînement. Nous sommes toujours dans la leçon. Suivez les enfants, la maîtresse va lire. Et l'exercice. Exercice. Complète les phrases suivantes avec les attributs ci-après. Déchirer, joyeux, cassé, éclatante. Manger. Commençons avec la première phrase. En classe, les élèves ont vu les cahiers. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? On doit compléter la phrase. Ici, la phrase n'est pas terminée. Qu'est-ce que nous allons mettre? Qu'est-ce que nous allons écrire ici? Quel attribut nous allons écrire ici? Oui? Ézéchiel. Très bien. Déchiré. Très bien. Et cahier déchiré. En classe, les élèves ont vu les cahiers déchirés. Très bien, les enfants. Cahier, complément d'objet direct. Déchiré, attribut du complément d'objet direct. Prenons la deuxième phrase. Suivez bien, les enfants. Soyez attentifs, suivez bien. En rentrant à la maison, papa a trouvé son gâteau. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Oui? Manger. Très bien, comme tu aimes manger toi aussi. Son gâteau. Manger. En rentrant à la maison, papa a trouvé son gâteau. Manger. Gâteau, complément d'objet direct. Manger, attribut du complément d'objet direct. Troisième phrase. Ma grand-mère pousse des cris. Complétez la phrase. La phrase n'est pas terminée. Complétez par un attribut. Oui. Oui, Richel. Elsa. Joyeux. Très bien, joyeux. Des cris joyeux. Ma grand-mère pousse des cris joyeux. Quatrième phrase. Ida jette une assiette. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Qu'est-ce que nous allons écrire? Quelle est l'attribut que nous allons écrire ici? Oui, casser. L'assiette, casser. C'est bien. Ida jette une assiette cassée. Casser, attribut du complément d'objet direct, assiette. Dernière phrase. Les élèves ramassent les pierres comment? Oui. Oui, Privali. Éclatante. Très bien. Éclatante. Éclatante. Les élèves ramassent les pierres éclatantes. Éclatante. Attribut du complément d'objet direct, pierre. C'est ce que nous venons de dire. Quand l'attribut est au pluriel, le complément d'objet direct aussi doit être pluriel. Très bien, les enfants, vous avez bien compris. Prenez maintenant vos cahiers d'exercice. Copiez l'exercice qui se trouve au tableau. Suivez, la maîtresse va lire l'exercice, vous allez travailler. Exercice d'application. Tu viens d'étudier,
tu viens d'étudier l'accord de la tribu du complément d'objet direct. Dans ton cahier d'exercice, accorde les attributs entre parenthèses avec leur complément d'objet direct. Tu viens d'étudier l'accord de l'attribut du complément d'objet direct. Dans ton cahier d'exercice, accorde les attributs entre parenthèses. Les parenthèses sont là. Ceux qui ne savent pas les parenthèses sont là. Tu dois accorder les attributs entre parenthèses avec leur complément d'objet direct. Bien les enfants, travaillez. Vous avez 3 minutes. Bien, les enfants, nous allons faire la correction. Nous allons faire la correction. Et toi qui n'as pas trouvé, tu vas corriger par rapport à la correction que nous allons faire au tableau. Travaillons ensemble. Bien, prenons la première phrase. On nous demande d'accorder les attributs entre parenthèses. Le médecin estime la situation. Qu'est-ce que nous allons mettre à la fin de l'attribut? Oui, très bien. Donc, le médecin estime la situation préoccupante. Très bien. On marque le point. Deuxième phrase. L'académie a nommé la jeune danseuse. Oui, nous allons mettre quoi ici? Directrice. Donc, on ajoute Chris à la fin. Directrice d'école. C'est bien. On enlève les parenthèses et marque point. Troisième phrase. Il a trouvé les cours. Oui, les cours. Vous allez ajouter quoi à la fin? Les cours. Intéressant. Eh bien, on ajoute quoi? S. On ajoute S. Puisque le complément d'objet est au pluriel, son attribut aussi doit être au pluriel. Et la dernière phrase, maman a toujours trouvé ses marmites. Oui, on enlève les parenthèses. Qu'est-ce que nous allons ajouter à la fin de ce mot pour compléter la phrase? ES. Eh bien, ES. Maman a toujours ses marmites, brillantes. Bien. Maman a toujours ses marmites brillantes. Très bien, les enfants. Donc, bien, suivez les enfants. Je vous donne 2 minutes pour ceux qui n'ont pas trouvé de corriger. Faites vite, veuillez m'excuser, puisqu'à la fin, je dois écrire au tableau, je dois mettre un devoir à faire à domicile. Donc, j'efface. Face pour mettre le devoir à faire à domicile. Devoir à faire à domicile. Bien. Devoir. À faire à domicile. Devoir à faire à domicile. Bien. Tu viens d'étudier l'accord de l'attribut du complément d'objet direct sur ton ardoise d'exercice. Dans ton cahier de devoir. Donc, dans ton cahier de devoir, accorde les attributs
entre parenthèses avec leur complément d'objet direct. Bien. Carole. Que. Pardon. Que. Carole. Que. Une mangue. Carole cueille une mangue. Bien, en parenthèse. Bien. La première phrase. Carole cueille une mangue verte. Deuxième phrase. Le COVID-19 est un virus qui touche nombreux humains. Le COVID-19 est un virus qui touche le COVID-19 est un virus. Suivez bien les enfants. Suivez. Le COVID-19 vos caractères. Est un virus. Le COVID-19 est un virus qui touche entre parenthèses. Humain. Bien. Première phrase, Carole. Que une mangue. Vous allez compléter. La fille. La fille porte la tenue sale. Et la dernière phrase. La fille, la porte, Très bien, l'exercice à faire à la maison, devoir à faire à domicile. Bien, très bien les enfants, suivez, la maîtresse va faire la lecture du devoir à faire à domicile. Tu viens d'étudier l'accord de l'attribut du complément d'objet direct dans ton cahier de devoir. Accorde les attributs entre parenthèses avec leur complément d'objet direct. Première phrase, Carole cueille une mangue. L'attribut entre parenthèses, vous allez accorder. Deux, le COVID-19. Est un virus qui touche nombreux humains. J'ai bien dit l'attribut entre parenthèses. Donc ne cherchez plus l'attribut. L'attribut est déjà entre parenthèses. Toi, tu accordes l'attribut entre parenthèses. Troisième phrase. La fille porte la tenue sale. Complète l'attribut.
tu accordes. Dernière phrase, la fille la porte sale. Donc c'est à toi de compléter l'attribut entre parenthèses. Tu enlèves les parenthèses et tu accordes. Bien, 2 minutes pour copier le devoir à faire à domicile. Faites vite, copiez le devoir. Garde à ceux qui n'écrivent pas, copiez le devoir. Tout le monde doit écrire et doit travailler à domicile. C'est bien les enfants. Fermez vos cahiers, mettez-les dans vos sacs. Ne dormez pas à domicile, les enfants ne sont pas en vacances. L'école continue. Travaillez à domicile pour une meilleure préparation de votre examen pour que l'année prochaine, vous soyez en 6e. Travaillez les enfants. Travaillez et restez chez vous. Restez chez vous les enfants car nous avons le COVID-19. Qui entraîne à la mort. Restez chez vous. Respectez les règles d'hygiène. Respectez les mesures de prudence. Bonne chance à vous pour votre examen. Merci beaucoup. À la prochaine. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Telenanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire, dû au COVID-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du COVID-19.